Et toi là, oui toi, si tu aimes Ichiban Japan, partage la vidéo. Aujourd'hui, épisode un peu spécial pour Ichiban Japan, je vous invite à me suivre durant toute une journée à Tokyo. Je me suis filmé durant 24 heures et je vous propose de découvrir les meilleurs moments de ma journée. Alors là, il est 10h30, je suis à Shibuya, je dois rejoindre mon ami Yuliko avec qui j'ai passé une partie de la journée. Et donc on a prévu de s'attendre au niveau de la statue Hachiko, que vous connaissez, vu dans l'épisode 4. Voilà, je vais attendre ici. Ah bah elle est là. Ça va Yuliko? Très bien. Très bien. Aujourd'hui j'ai plein de souvenirs à acheter donc ça va être journée shopping. Et comme on était à Shibuya, j'étais obligé d'aller faire un tour à la tour Ichimaruku. On est allé à celle des hommes. Toujours plus de vendeurs que de clients, mais ils sont très sympas et vous aborderont souvent pour vous poser ce genre de questions. Hey, France. France. Oh, Japan enjoy. Non, c'est des soldes, mais ça reste quand même très cher. Mon porte-monnaie a versé une petite larmichette, alors on a décidé d'aller à Ikebukuro où les prix sont bien plus abordables. On a donc pris le métro qui à Tokyo est extrêmement développé et assez facile à prendre. Dans le train, le passe-temps préféré des Japonais est de dormir, notamment grâce au chauffage qui réchauffe les jambes sous chaque siège. J'ai plusieurs fois raté une station à cause de ça. Alors Yoliko, t'as bien dormi dans le train? J'ai dormi 2 heures en train. Ah, tu dors toujours dans le train? À Paris aussi. Oh, eh, fais attention, c'est dangereux à Paris. Hein? Avec ses nombreux magasins et centres commerciaux, Ikebukuro est le quartier pour faire du shopping. On ne peut pas se balader dans ce quartier sans avoir envie d'acheter quelque chose. J'ai craqué, je suis acheté les chaussettes. Kawaii. Comme vous voyez, quand vous passez dans les rues, on vous donne tout un tas de trucs. On va même nous donner les trucs des BZ, je sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est les trucs qu'on va mettre sur la tête. Sunshine City est un immense centre commercial très connu à Ikebukuro. Là-bas, on y trouve Namja Town, une sorte de parc à thème qui replonge les visiteurs dans un Tokyo populaire et traditionnel. Mais son intérêt principal, c'est la bouffe. Namja Town, il y a ce qu'on appelle une sorte de paradis des gyoza où il n'y a que ça. Le Gyoza Stadium est un endroit constitué uniquement d'échoppes de gyoza qui proposent les spécialités de tout le pays. On va manger? J'ai faim, j'ai la dalle. J'ai la dalle. J'ai la dalle. Voilà. Les gyoza sont des raviolis généralement farcis au porc et au chou, inspirés des raviolis chinois. Gyoza de Gyoza Stadium. C'est délicieux. Délicieux, oh pleurer. Ça va pas, qu'est-ce qu'il te prend? Ça c'est des sui gyoza, c'est-à-dire des gyoza à la vapeur. Donc ils sont faits, ils sont cuits avec de l'eau chaude. Contrairement aux autres qui sont faits à la poêle. Troisième tour de gyoza, troisième fois qu'on mange. Voilà, en gros, le principe ici, c'est de commander plusieurs types de gyoza différents dans les restaurants qu'il y a. Il y en a beaucoup, plein de petits stands. Et donc, on en fait plusieurs, on prend des petites portions à chaque fois. Et ensuite, on vient les manger ici. Après le paradis des gyoza, on est maintenant au paradis des glaces. Ici, il y a plein de glaces avec des goûts différents. Toujours à Namja Town, on trouve l'Ice Cream City, où vous pourrez goûter des glaces venues d'ailleurs. Ah ben. Non, mais... non. C'est pas bon. Non, ça j'aime bien, c'est bon. Ça.
C'est vrai? C'est un peu goût de chocolat. C'est vrai? Ouais, je trouve. Et c'est incroyable! Ça, c'est le wasabi. Wasabi. Ça va. Ça passe. Ça y est, c'est passé. Surtout ne pas perdre conscience. Il faut que j'enlève ce goût de ma bouche. Sunshine City, il y a aussi le D-World, une sorte de parc d'attraction avec tous les héros du Shonen Jump. BBZ, Naruto, One Piece, etc. Donc plein d'attractions à l'intérieur. En gros, c'est des petits jeux à l'effigie de nos héros préférés. Regardez, vous pouvez même bouffer les cheveux de Vegeta et de Sangoku. Une glace avec des morceaux de pommes. Regardez, tout ça là, c'est des man, c'est que des trucs à bouffer. Donc vous pouvez bouffer Mister Popo, Freezer, Piccolo, Boubou. Donc voilà, par contre, on n'y rentre pas parce que c'est assez cher. Et Yuriko, elle aime pas trop ça. Janai. C'est chaud. Voilà. Alors, Sunshine City, il y a aussi la boutique Ghibli. Donc, la boutique des studios Ghibli, tous les films d'animation Miyazaki. Donc voilà, vous avez tous les produits dérivés et trucs sympas. Bon, c'est pas mal pour faire des cadeaux. Alors, c'est tout à fait normal. Là, je suis dans un magasin où il y a des goodies pour les enfants. C'est au même étage que les trucs. Ici, les trucs porno. Films porno. Donc, c'est au même étage tout ça. C'est juste à côté. Tu connais ça? Quoi est Tenga. Tenga est une marque de sextoy qui a lancé un produit révolutionnaire, des tubes de masturbation à usage unique. Ça va pas, non? Qu'est-ce que c'est que ces saletés? Vous êtes dégoûtant! Ça vous arrive de penser à autre chose? Bon, il est temps de dire au revoir à Yuriko. Merci Yuriko. Au revoir. De retour à Shibuya, je vais voir Ako, notre ami à moi. Ça fait un petit peu le mec qui enchaîne les rencontres le même jour. Mais c'était comme ça durant tout mon voyage, j'étais un peu obligé, j'avais beaucoup de monde à voir. Hey, ça va? Désolé, gomené, tout le monde. Alors là, je suis en manque d'argent, donc je vais les retirer un petit peu. Au 7-Eleven. Au Japon, on paye essentiellement en liquide, donc vous pourrez difficilement utiliser votre carte. Même pour retirer, ça peut parfois être un peu compliqué. Heureusement, les 7-Eleven disposent de bornes qui permettent de retirer de l'argent et ce, 24h sur 24. Ce que j'aime vraiment lorsque je vois des amis japonais, c'est échanger et partager nos langues et nos cultures. On apprend toujours mieux en s'amusant. On va aller manger une petite crêpe. Crêpe quoi? Ah bien, tu as reconnu, c'est bien. On va manger. On va manger. Iyo, c'est bien. Bien. Merci maître Mikigi. Maître Guigui. C'est pourtant pas compliqué. Faut te le répéter combien de fois pour que ça rentre dans ta tête. Mais tu commences à me faire chier à la fin. Je suis ton maître et j'écouterai tes plaintes quand t'auras fait tes devoirs. Exécution. Alors toujours à Shibuya. Maintenant on va aller dans un bar Izakaya. Il fait ping-pong. Ping-pong ball. Donc on va faire. En japonais on dit taku. Taku. Donc on va faire taku. Taku izakaya. Ah, taku izakaya. Donc c'est un concept assez original. Donc on va voir ça de plus près. Ici le principe est le même que dans tout izakaya. On boit et on grignote. Sauf qu'en plus, on peut se dégourdir en jouant au ping-pong. Tu triches, tu m'envoies les balles dans la figure, tu es nul. C'est aussi un moyen de faire des rencontres grâce au sport, puisqu'on peut jouer avec les autres clients du bar. On trouve aussi d'autres activités comme les fléchettes et les jeux de rétro gaming pour s'amuser à plusieurs. Après s'être bien dépensé en faisant du sport, maintenant on va à Odaiba. Ok, on est parti, Odaiba, Kurumade, en voiture. Pour se rendre sur l'île artificielle d'Odaiba, on emprunte le fameux Rainbow Bridge, toujours très imposant.
On arrive alors à Pallet Town, un complexe avec sa grande roue, son centre commercial Venus Fort qui est fait à l'image de l'Europe du XVIIIe siècle. À Odaiba, il y a généralement très peu de monde, surtout le soir. Ce sera difficile de trouver des amis, mais on a la solution. Alors voilà, Aku avec ses amis, Tomodachi to, Ichiban Tomodachi, Nani Namae, Namae wa? Kenji. Yoshi. Yoshi? Yoshi. Yoshi like Mario. Yoshi. Yoshi. Yoshi bizarre. Je te le dis, t'es complètement timbré. Ah bon? Je suis aussi bizarre que ça? T'as même pas idée. Alors ici, pour manger, on commande nos plats. Il y a plusieurs types de restaurants. Et on commande nos plats et ensuite on vient ici. Donc ce qui fait qu'on peut manger chacun un plat différent. Donc là, elle a pris oyakodon. Moi, j'ai pris omelette. Elle aurait pu prendre udon, ramen ou autre chose. On peut manger des choses différentes, mais au même endroit. Donc on va servir. Elle est allée là-bas. Moi, je suis allé là-bas. Et ensuite, on vient manger au même endroit. Bon, le repas était bien bon. Maintenant, on va aller voir le Lembo Bridge. On va voir la Lembo Bridge. Ouais. Ouais. Voilà, on y est. Lembo Bridge, illuminé pour les fêtes de fin d'année. Samui. Personne aux alentours. On a décidé d'aller admirer ce spectacle de plus près et j'ai voulu vérifier quelque chose sur le chemin. Alors je vais te dire les mots, les prononciations, tu me dis oui ou non, d'accord? Otaku. Oui. Otaku. Non. Otaku. Chotto dame. Ok. Voilà, donc c'est otaku. Otaku. Voilà. J'aime l'odeur de la mer. Ignore. Ah, de la mer. Voilà, de la mer. Ah, cream. Special cream, you know? Anthony? Mm. Oh, namae? Oh. French. De la mer ou de la merde? De la merde. De la merde. De la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Voilà, petit cours de français. Français. Un cours de français. Cours de français. Petit cours de français. Gigi sensei. Voilà, très bien. C'est bien. Très bien. C'est comme ça qu'il faut m'appeler, c'est bien. Voilà. Bon, c'est l'heure de rentrer. Bah, bonne nuit. Bonne nuit, Ako. Voilà, et puis la prochaine. Ciao, baby! À demain, même endroit, même heure! See you tomorrow, je t'attendrai! On la laisse partir, boss! Sois cool, man. Ça se ménage, les petites pépées. Pour cet épisode, je vous propose de rencontrer non pas un, mais deux Japonais, Kana et Shu. Je m'appelle Shu. Je suis en France. Je m'appelle Kana. Je suis allé à Paris, Saint-Étienne, Lyon. Qu'est-ce que vous préférez en France? Campagne. Campagne? Yelugu, c'est un素晴らしい。狭い雰囲気。やっぱり昔から古い建物があって、やっぱ歴史が深い。っていうのをすごく感じます。あと料理も、美味しいです。その日本人だからそのフランスに行くとやっぱり全然新鮮な感じがするので、やっぱりフランスはいつ行っても Et pour le traditionnel mot de la fin, quelque chose qu'on leur ramène forcément de son voyage. Omiyage. Souvenir.
Michael. Nani Michael. Michael. Enchanté, Michael.